Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. L'implication au sein d'organismes communautaires est sans doute la première forme de bénévolat qui vient en tête lorsqu'on parle d'implication ou de participation citoyenne. Il s'agit d'un type d'implication à caractère social, dont l'objectif est d'améliorer son bien-être et celui de sa collectivité. Cela peut prendre différentes formes, telles que du bénévolat dit « traditionnel », des dons, de l'entraide, du compostage, les possibilités sont presque infinies. Sans bénévoles, plusieurs services à la communauté ne pourraient pas être assurés. Heureusement, l'altruisme des citoyens est au rendez-vous. Moi, je m'appelle Irène Boilard. Je suis à la maison, puis je suis bénévole au Centre d'action bénévole à Clinique d'impôts. Moi, ça fait 32 ans qu'on est ici. Puis au début, comme je ne suis pas d'ici, je viens de Dolbeau, bien là, je voulais m'impliquer, me sentir plus près, me sentir dans la communauté. Fait que j'ai dit, m'aller aux impôts. Parce que je fais moi-même mon impôt. Fait que là, j'ai dit, on va aller chercher de l'information. Mais je me suis fait prendre les doigts. Il fallait qu'on fasse du bénévolat. Puis j'en ai fait. Puis j'ai pas lâché. J'aime ça faire ça. Puis les gens, ils sont vraiment fins quand on les accueille. Fait que. Pas de problème avec ça, là. On est très attendus, là. Moi, ça fait à peu près pas loin de 30 ans que je fais ça pour eux autres. Puis, quand on voit les gens venir, parce que c'est des gens à faible revenu, quand on se voit nous autres, on se compare à eux autres, là. On n'a pas de la misère, nous autres. On se demande comment ils peuvent faire pour vivre avec ce qu'ils ont. Puis nous autres, on se plaint avec... Mais c'est vraiment enrichissant. Parce que les gens, quand ils viennent, ils s'informent si on est toujours là. Moi, qu'il y en a qui s'informent si je suis toujours là. Alors, ils disent « Ouais, elle est là ». C'est comme s'ils étaient rassurés. Puis là, depuis quelques années, on va dans les résidences. Puis on est vraiment accueillis. Il y en a qui nous accrochent, là. Ils nous lâchent. Tellement ils sont contents de nous voir. C'est un service qui est très utile, les impôts bénévoles, parce que les gens, ils ne savent pas où aller. C'est à moindre coût, mais ils sont toujours bien contents. Les autres, ils sont très satisfaits. Ils reviennent à tous les ans, puis comme je dis, ils s'informent toujours s'il y a une telle. Ils nous connaissent, même s'ils ne nous voient pas, ils nous connaissent, puis ils se demandent si on est là. Puis il y en a, ça les rassure de savoir qu'une telle, comme moi, je fais la vérification à la fin, quand les autres bénévoles, parce qu'on a une dizaine de bénévoles, bien, moi, je les vérifie toutes, puis ils savent, ah, elle là, c'est comme si ils étaient rassurés, ils sont sûrs, tout va être bien fait. Moi, j'aime bien ça parce que j'aime les rencontrer, puis c'est surtout beaucoup de personnes âgées. Fait que moi, j'aime ça être avec eux autres, puis ça me. Quand je les vois, moi, ça me console parce que je me dis, moi, je suis bien là, comparé à eux autres. C'est vraiment, c'est quelque chose là, qui... On a une satisfaction là, d'aider, là. Puis eux autres sont contents de se faire aider. Ça fait que on nous voit sur la rue, là, puis ils nous arrêtent quasiment. Bien, c'est une période de mars à avril. Mais nous autres, on commence un petit peu avant. Mais c'est 7 jours sur 7. Moi, c'est pour moi, là, personnellement, là, c'est 7 jours sur 7, j'en oublie de manger. J'aime bien ça parce que même de ça, je fais de la recherche pour les autres. Je fouille là, pour aller chercher des choses. Ils se réfèrent toujours à moi pour pouvoir les aider. Ah oui, mais il faut vraiment aimer ça. Moi, on adore ça. Tous ceux-là qui sont ici, on adore ça.
On trouve ça triste quand ça achève. Non, même de ça, il y en a qui sont des retardataires, puis c'est moi qui les fais. On en fait tout au courant de l'année, des retardataires, mais non, ça ne se compare pas. C'est vraiment intéressant. Là. On voit les gens, puis nous autres, comme je dis, des fois, on se plaint plein, puis les autres, ils n'ont rien. Là. Tandis que nous autres, ça nous remet les deux pieds sur terre. Frédéric Noël-Charret, je suis impliquée au LACPUS, je suis dans le conseil d'administration administratrice jeunesse. Je suis étudiante présentement à l'UQAC en sciences de la Terre.
Bien, moi, dans le fond, je suis impliquée au Lac Pousse depuis 2011. J'ai commencé par travailler là. Puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités de bénévolat. Donc, par la suite, j'ai été nommée au conseil d'administration. Ça fait maintenant 4 ans que je suis administratrice jeunesse, que je représente, dans le fond, les envies et les besoins des jeunes travailleurs là-bas. Puis, je m'implique aussi quand on fait des campagnes de financement pour Centraide ou la campagne des 500 jours. J'essaie de donner le plus d'heures possible de mon temps là-bas. Moi, j'ai choisi le Lac Pousse, dans le fond, parce que vu que j'y travaillais déjà, c'était déjà un emploi puis un milieu que je connaissais. Puis je me suis rendu compte, en travaillant là, puis en côtoyant les gens, que l'implication puis le bénévolat, c'est vraiment une partie d'eux autres. Puis que pour compléter, pour être comme complètement là-dedans, bien, il fallait donner du temps aussi. Puis je me suis rendu compte qu'en donnant du temps, puis en m'impliquant, bien, c'était quelque chose que j'aimais vraiment aussi. Fait que j'ai continué à m'impliquer, à donner du temps. Puis plus j'en donne, plus je suis intéressée, donc plus j'essaie d'aller voir différents organismes pour m'impliquer aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses, vu que j'ai commencé quand même jeune à faire du bénévolat. J'ai appris à donner mon opinion sans contredire l'opinion des autres, à faire partie d'un groupe, à prendre en considération l'opinion de tout le monde, à organiser des gens, à faire des horaires, à moi me faire un horaire pour être capable de tout rentrer ça aussi dans mon temps et dans mon horaire. À chaque semaine, c'est comme peut-être plus, j'investis peut-être plus sur des longues périodes, fait qu'environ, on peut dire que par mois, je dois mettre peut-être une dizaine d'heures environ. La conciliation, ça n'a pas été si difficile que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses de bénévolat que je fais au Lac Pousse que je peux faire chez moi. Donc là, je suis capable, par mes temps libres, de faire certaines choses, des appels, des travaux, etc. Puis ça rentre bien dans mon horaire. Puis pour ce qui est de l'école, nous autres, on s'arrange toujours parce que pour être sûr que tout le monde puisse, parce qu'il y a des personnes qui ont des réunions le soir, qui travaillent, qui finissent à telle heure. Donc pour les réunions, on s'arrange toujours pour que ce soit une journée que tout le monde peut. Puis là, on se rencontre une fois, puis quand ça fait pour tout le monde, ça va être comme ça jusqu'à... Nous autres, on y va par session, dans le fond, l'hiver puis l'automne. Comme là, pour la prochaine hiver, ça va être changé de date. Moi, je travaille vraiment plus pour les personnes qui travaillent au Lac Pousse, là, toutes les jeunes, là, les jeunes concierges, les jeunes qui viennent faire de l'implication du bénévolat aussi, les jeunes travailleurs d'été comme ceux-là d'hiver. Moi, mon but, c'est vraiment de représenter leurs besoins, puis qu'est-ce qui manque pour que leur travail soit optimum, qu'est-ce qu'ils recherchent, de quoi ils ont besoin, leur matériel, leur soutien financier aussi. Fait que je pense que j'ai réussi à apporter au fil des années certaines choses que maintenant, qui n'étaient pas là avant, puis que maintenant, ils sont là. Donc ça les aide aussi, ça améliore les conditions de travail pour les jeunes travailleurs. Puis en donnant du temps pour la campagne des 500 jours, pour Centraide, ça permet aussi à des jeunes qui ont des jeunes ou des familles qui ont des revenus moins de venir gratuitement ou presque gratuitement au camp l'été.
j'adore courir. Va dehors, je pars à courir, je vais vers l'inconnu, n'importe où, je me donne pas de trajet fixe. J'ai l'esprit tranquille, une certaine paix intérieure quand je cours, c'est une passion. S'entraîner régulièrement, aller à l'école, c'est relié à la persévérance. Pour faire ça, il faut être organisé. L'activité physique m'a appris à persévérer et à gérer mon temps. C'est utile dans la vie de tous les jours. Mes amis, c'est sûr qu'ils connaissent toute mon histoire. J'ai toujours été bien entouré. Tu décris Sam. C'est un gars ben smart, là. Il est tout le temps là pour nous. Quelqu'un vraiment gentil, oui. Peu importe ce qui t'arrive, il va tout le temps te remonter le petit moral. Il va toujours avoir le petit mot pour dire « Hey, lâche pas, champion! » Sam, c'est Sam. Je suis présentement étudiant en sciences nature dans le but de devenir nutritionniste. C'est sûr que la nutrition, c'est très important pour moi. Si je veux être capable de faire tout ce que je fais, j'ai pas le choix, là. On le voit dans sa vie, les choses qu'il a entrepris. Il a pris les moyens en conséquence. Il a toujours voulu les mener jusqu'au bout. Il veut toujours se dépasser lui-même. Il se pousse à fond tout le temps. À la naissance, qu'on l'a vu. Samuel avait une jambe plus courte que l'autre. Même s'il y avait une malformation à sa jambe droite, le pied était tout là. Suite à ça, on a décidé de prendre l'amputation. Le soir, avant l'amputation, j'ai une femme qui m'a téléphoné qui avait un fils comme Samuel qui avait été amputé dans des années auparavant, puis elle fait partie de l'association des amputés de guerre. Puis j'avoue que si je l'avais pas eu, elle, je sais pas comment j'aurais passé à travers ce moment-là, parce que elle avait passé ces choses-là, donc était la mieux placée sur Terre pour me comprendre en tant que mère, puis pour me rassurer. Un trésor pour moi. L'aide que les amputés de guerre m'apportent chaque année, dans le fond, tout le temps, quand j'en ai besoin, c'est les nombreuses prothèses que j'ai eues. Les prothèses pour le sport, pour la natation, plein d'autres. Les prothèses pour la course. Celle-ci est faite complètement en fibre de carbone. Je pense pas réussir à briser ça dans ma vie entière. La philosophie des amputés de guerre, c'est d'accomplir le rêve des enfants. Et les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Le dernier séminaire qu'on a fait, c'est là que Samuel a rencontré Emmanuel. C'était tellement agréable de voir que les parents, ça leur faisait du bien à leur tour. De voir notre fils se débrouiller. Quand j'ai été jeune, j'ai eu beaucoup de sport avec les plus vieux des amputés de guerre. Donc pour moi, c'est tout naturel de faire pareil, comme par exemple le petit Emmanuel. Il me dit qu'il aimait courir. Je le supporte à fond dans ce qu'il veut faire, peu importe l'activité. Puis je vais être prêt à aider n'importe qui. Emmanuel, il vient d'avoir 4 ans l'année prochaine. C'est la rentrée scolaire, puis c'est ça qui me travaille un petit peu, que je sais pas trop comment ça s'est bien passé avec Samuel. La maternelle. Quand on discute ensemble, on dit « Ah oui, c'est vrai, on a passé ça, nous autres aussi. » On se questionnait là-dessus, soit pour l'école, n'importe quoi. Puis c'est bon de pouvoir, justement, les épauler là-dedans. Encore tu? Samuel, il a reçu beaucoup. Maintenant, il a appris qu'il pouvait donner. Samuel, je pourrais compter dans ma main les journées qu'il n'a pas été de bonne humeur. Il a 18 ans. Je le vois comme un encouragement, pas juste pour moi en tant que mère, mais pour ceux qui côtoient.